Salut à tous, c'est Trunkan. On est dans The Witcher 3 et c'est la canicule du cul. J'ai envie de décéder de chaleur. J'espère que vous, ça va. Et qu'obtient-on pour ce travail? Ok, bon. On va voir un peu Corvo Bianco, ce qui s'est passé, tout ça. J'ai des sous, incroyable. Alors j'ai des sous, mais... voilà, vous avez vu, on a l'armure de l'ours. Peut-être on va essayer de l'améliorer, ce serait pas mal. Jean-Eudes. Les rénovations se passent bien? Je vous en laisse seul juge, monsieur. Mais, à mon humble avis, les travaux avancent merveilleusement bien. Les ouvriers ont terminé les rénovations globales. De plus, les meubles que vous avez commandés sont arrivés. Farpé. Je commence à me sentir chez moi ici. Qu'en dites-vous, Barnabas? On continue les travaux? Comme vous voudrez, monsieur. Voulez-vous vous occuper de la maison ou du jardin, cette fois? Je commence à prendre goût à cette histoire de rénovation. J'ai bien envie de continuer. Bien sûr, monsieur. Avez-vous une idée précise en tête? Vous connaissez Ablett, ma jument. Je lui en fais voir des vertes et des pas mûres. Elle mérite tout autant son petit nid douillet. Une belle étable, mais bien sûr. C'est tout à votre honneur, monsieur. Nous pouvons commencer les travaux tout de suite. 2000 balles, bon, ça va. Rien n'est trop beau pour Ablett. Je vous laisse carte blanche. Comptez sur moi, monsieur. Le temps de trouver les ouvriers, je pense que les travaux seront terminés dans 2 jours environ. Désirez-vous autre chose, monsieur? Vous savez, il m'arrive d'avoir à préparer une potion, et j'ai parfois du mal à trouver les herbes dont j'ai besoin. N'en dites pas plus, monsieur. Le jardin de Madame Nina, la femme de Monsieur Bolius, est l'endroit idéal pour cultiver des herbes. Il est même assez grand pour y planter des arbustes. Excellente idée, Barnabas Basile. Vous n'imaginez pas le temps que je perds à chercher des herbes. L'idée est la vôtre, monsieur. Je ne suis que l'humble instrument de votre volonté. Les premières graines seront plantées dans 2 jours, au plus tard. Désirez-vous autre chose, monsieur? La maison, il reste des trucs? J'ai un peu d'argent à placer, je voudrais rendre la maison un peu plus agréable à vivre. En toute sincérité, monsieur, je pense que le vignoble est un modèle de perfection. Avec tout le respect que je vous dois, je vous déconseille vivement d'y apporter le moindre changement. Eh ben d'accord. Merci, le devoir m'appelle à nouveau. À bientôt. Ok. J'ai gagné un tableau récemment, je crois. Oh, les râteliers, ouais. Alors, les râteliers d'épée, j'en avais pas plus que ça, non? Ah, si. Si, 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 si. On va mettre le bouclier elfe avec les deux épées de machin. Là, on peut mettre quoi? D'accord. C'est la chambre d'amis, c'est ça? Oui. Tableau. Hein. Et dans ma chambre, je vais mettre le bouclier de Ravix, je pense. J'ai pas un nouveau trophée d'ailleurs. Ah bon. Je sais que j'en avais eu un nouveau. Qu'est-ce que j'avais de beau? Ah, j'ai l'armure de vampire, mais je crois pas que... Ah, bah on va mettre l'armure de 4 cornes, en fait. On va la mettre.
Ouais, c'est qu'au final, il n'y a pas assez de... de râtelier de support d'armure. Il faudra un mode comme dans, des modes comme dans Skyrim pour ajouter 12 râteliers un peu partout. Moi bon, je me casse. Hein. Ah si, il y en a un autre ici. Ah bah du coup en fait je vais la mettre ici. Voilà. Je vais zapper qu'il y avait celle-là. C'est dommage qu'on puisse pas mettre le bouclier juste à côté. Très bien. On pourrait attendre 2 jours. Hop là. Les rénovations se passent bien. Je suis ravi de vous informer que les travaux sont terminés. Vous pouvez désormais vous consacrer sans réserve au plaisir du vignoble. Pardonnez ma témérité, monsieur, mais je me disais, maintenant que les travaux de Corvo Bianco sont terminés et que le domaine est plus beau que jamais, nous pourrions peut-être célébrer ce moment. Ma foi, pourquoi pas? En mettant de l'ordre dans la maison, j'ai eu le plaisir de trouver une bouteille de Cepremento millésime 1250. J'ignore par quel miracle elle est encore intacte, mais c'est l'occasion ou jamais de l'ouvrir. Et alors il a foncé tout droit dans la foule, son bouquet enflammé à la main. Tout le monde riait. Les gens ont cru que ça faisait partie du spectacle, même quand le décor a pris feu. C'est seulement quand la barbe du baron Marefkin s'est embrasée que le public a réalisé ce qui se passait, et ils ont fini par éteindre les flammes. Les balles de Monsieur Bolius et Madame Nina ont dû marquer les mémoires. En effet, monsieur. À cet égard, le baron Rossel était bien plus réservé. Dites-moi, Barnabas Basile, quelle est la situation du vignoble? Pourra-t-on produire dès cette année? Hélas, pas cette année. Un champignon a détruit les pieds de vigne à l'automne dernier. Le baron Rossel a tout replanté, mais il faudra du temps avant que la vigne ne porte ses premiers fruits, en espérant que le champignon ne revienne point. Oui, ce serait dommage. Ce Cepremento est une petite merveille. N'est-il point, monsieur? Permettez-moi de vous resservir. Merci. Eh ben ça c'est fait. Alors on pourrait continuer la quête principale, mais... mais non. Faut me préserver. Mon père avait tort. Je lis avec gage. Oh. Un petit contrat de sorceleur. Ah, j'en ai pas ici, vraiment. Sans déconner. Bon. Après, il y a les chasses au trésor, mais la cuillère manquante. Oui, la cuillère clé. Oui, c'était bizarre ça. Et je l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas retrouvé dans mes affaires. Enfin, dans mon inventaire. Alors du coup, elle donne quoi cette étable? Ah, ça a l'air mieux, ouais. Ah, pas mal. Et donc le jardin, il est sur le côté. Je crois. Hein. Son estomac gronde comme un loup enragé. Voilà. Et donc là. Là, il y a de quoi faire, quoi.
Donc là, il y a moyen juste de faire genre de faire passer des jours pour farmer les plantes. On va pas faire ça parce qu'honnêtement, bon voilà, hein. Un peu la flemme. Donc, c'était juste pour vous montrer que là, c'est bon. Est-ce qu'on peut y aller la faisanderie? On a un point de voyage rapide? Oui, à la grande place. Très bien. Faudrait que je prenne les panneaux d'affichage aussi pour avoir les contrats. Mine de rien. Alors. Je sais pas si à 22h il y aura quelqu'un. Bonjour. On essuie ses bottes, on ne se baffre point, on ne mange point avec les doigts, on ne se nettoie point les dents avec son couteau. Quoi ? Je plaisante. On voit bien, monsieur, que vous n'avez point grandi à la ferme. Soyez le bienvenu à la faisanderie, la meilleure auberge du duché. Une cuillère de ce type, à quoi peut-elle servir, selon vous ? Ma foi, on dirait une cuillère à bouillon, ou un genre de clé. Tiens, il y a un mot ici. Oui, c'est ce mot qui m'a conduit ici. Que peut bien ouvrir cette clé ? Jamais vu, ma foi. Tentez votre chance à la cave. Le précédent propriétaire y a laissé un sacré bric-à-brac. À plus tard. La duchesse. À la cave, donc. Ce soleil radieux. Alors, la cave, c'est là. Faut piquer des trucs ou pas? Oui, du chardonnay. Rillettes de porc, non, ça va aller. Le fruit sec, je veux bien. Poisson, on m'en fout. Putain, du chardonnay par contre. Ça, c'est oui. Hein. Pas dingue tout ça. Ça, c'est oui. Il va dans la scène de Smeagol Louis Serkis. Eh oui, on en avait déjà parlé. Smeagol Louis Serkis. C'est un des anneaux, tout ça. Il contient de centaines de recettes, mais au lieu de la recette lapin de Beauclerc sur la dernière page, il n'y a que quelques lignes écrites dans d'une main chaotique. Et par les plaies sanglantes de l'Ebioda, j'ai parcouru des dizaines de manuscrits elfes et j'ai enfin trouvé. Je sais à présent ce couvre la clé cuillère que j'ai achetée aux enchères. Il s'agit ni plus ni moins de la clé du laboratoire légendaire de Ramsès Gorton, le prêtre elfe de la déesse Danamebi, dont les merveilles culinaires restent inégalées, même par nos chefs actuels. Si je trouve les ruines de ce temple, cachées soi-disant quelque part dans la forêt de Beauclerc, j'ouvrirai toutes ces recettes légendaires. Légendaires ! Et sans oublier les autres trésors inestimables que ce grand maître devait garder dans la cuisine où il perfectionnait son art. Le reste de la page est couvert d'une large tache de gras. Hmm. Ok. Gorton. Ça a l'air loin. Oh, j'ai rien trouvé, hein, je suis désolé. Hein. Une autre fois peut-être. Hein. Elle cherche qui ?
Lot, fils de Marc, surnommé Sans Mêlée. Super. Ça donne envie, hein. C'est pas vrai. Absolument pas. Ok. Donc, ah oui, c'est à l'autre bout de tout ça, effectivement. La forêt elfe. Bon, on va aller du côté de la ferme Bazan, et non pas la ferme, voilà, la ferme ta gueule. Hamlet, ici. Donc ouais, j'ai fait le montage de l'épisode d'avant, hein. Et effectivement, j'avais gagné le tournoi à l'épée, hein. Le tournoi de combat, on avait gagné. Donc je sais pas pourquoi ils nous ont... Ils ont dit que j'avais perdu, mais il nous restait bien deux membres à la fin. Et les autres, ils étaient tous KO. J'ai revérifié, il y avait bien le truc, ouais, victoire, quoi. Enfin, il n'y avait pas marqué victoire, mais... Il fallait pas tomber à zéro personne, donc je sais pas pourquoi ils nous ont... pas compté la victoire. Beaucoup de ruines ici, hein. Ça donne pas envie, hein. J'espère que je vais pas affronter trop de saloperies. Bien sûr que si. Alors, la première fois qu'on joue à The Witcher, hein, The Witcher 3, quand on est comme ça, on entend des bruits de partout. C'est ultra stressant. Ombre, d'accord. Ah oui, il y a une grotte, c'est ça, donc ça doit être l'entrée en vrai. C'est pas vraiment une grotte, ça. Alors des rubis, des diamants, cuir en argent, tasse en or, lingot de méritium, Méletis. Formule transmuteur de mutagène vert en rouge. Recette de pâte étoile blanche, recette de gâteau aux épices et au miel, recette de mijoter des crevisses. Ok. Du vin. Donc il n'y a pas d'alcool, je prends pas. Oh, quoique, en vrai, c'est des compos d'alchimie. Du coup, je vais tout prendre. Genre ici, il n'y a rien, quoi. D'accord. Bon, là aussi, je vais tout prendre, comme ça. Comme ça, il arrêtera d'être en rouge. Que le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Pas du tout. Ah non, 3h43, il va pas se lever tout de suite. Ah si, ça commence en vrai. Hein. Quand je suis arrivé, il y avait pas autant de lumière. C'est bien, Hamlet. Si, ça commence totalement. On va aller trouver Cireur de chaussures. Je rappelle, c'est un enfant qui connaît du coup notre Detlaf. C'est certainement à cause, enfin, pour lui qu'il a recommencé à tuer des gens. Pour le défendre. C'est ce qu'on a vu dans la vision. C'est vrai. Ils verront bien. Colline de Duntin. Ok.
Ah, c'est très les vignes. Hein. Ouais, d'accord. J'allais dire, c'est bizarre, ça m'emmène dans l'autre sens, mais... C'est ok, apparemment. On s'enfonce dans la forêt, de ses morts. Oui, on va récupérer le pont, c'est ça. Ouais. Elle a du mal à aller tout droit. Hein. Du nerf, Ablette. Oui, c'est ça, parce que nous, on va aller à Beauclair. Donc c'est par là. Des fois le guide sur la route là, il est un petit peu bourré. Hein. Voilà, j'ai fait le trajet hein, comme ça au moins ça nous change un petit peu. Juste se téléporter. On voit un peu de pays. C'est vrai qu'il faut en profiter. La région est très très jolie donc. Donc profitons-en. Cireur de chaussures. Les cireurs de chaussures ne travaillent pas la nuit. Je vais devoir repasser pendant la journée. Ah oui, c'est là, effectivement. Ok, eh bien, je vais camper au milieu de cette rue. Une semaine où que le soleil cogne, on a toujours de la boue jusqu'aux chevilles ici. Le temps est changeant à Beauclair, c'est point ma faute. Changeant? Je t'ai vu. Tu vides ton pot de chambre devant notre boutique chaque matin pour qu'on se salisse les bottes et qu'on vienne te voir pour les nettoyer. Il n'y a point de conspiration, messieurs. Oh si, et ton fessard va s'en ressentir. Viens par ici. Fichez-lui la paix. Bon sang. Qui t'es, toi? Son père. Et je ne vous laisserai pas le toucher. Foutaise. Je le connaissais, son père. Un escroc, une canaille, comme son rejeton. Je vais lui apprendre l'honnêteté. Il laissera plus sa merde à notre porte pour s'attirer des clients. Alors dégage, le vagabond. N'y comptez pas. Ah ouais? On va t'escaper aussi dans ce cas. Ça fait point de différence pour moi. Elles sont où les épées dans mon dos? Garde-toi, c'est trop froid. Pas la peine de s'énerver. Allez, approche. On va t'apprendre à aider les gros et les gredins. Du sang! Du sang! Ah!
contre le mur et la caméra aux fraises. Et là, mes épées sont revenues parce que je vais plus me battre. Qu'est-ce que ça signifie ? Qui a déclenché cette bagarre ? J'enquête sur la bête, sur ordre de la duchesse. Oui, on a entendu parler de vous. Et ces hommes, que font-ils ? Rien du tout. Il y a eu un petit malentendu, mais tout est réglé. Je vois. Vous êtes le protégé de la duchesse. Alors partez. Par contre, ces gaillards, vous allez venir avec nous. Un petit séjour en cellule devrait vous rendre plus raisonnable. Allez. Ben, ça c'est fait. Vous savez vous servir de vos poings, messieurs. Je fais défoncer. Chercheriez-vous du travail ? Quel beau duo nous ferions. Écoute, je recherche un homme en particulier. Attendez ! Avant qu'on discute, asseyez-vous. Mais mes bottes sont propres. Dans cette ville, les bottes ne sont jamais propres. Sauf si je viens de m'en occuper. Prenez place. Alors, de qui voulez-vous que je vous parle ? Un de tes clients, grand, tenue noire élégante. Pas quelqu'un du coin. Un nouveau ? Oui, ça me fait vaguement penser à quelqu'un. Une modeste somme pourrait m'aider à y voir plus clair. Combien ? Disons... 500 couronnes. Quoi ? C'est une blague. Que ferais-tu avec autant d'argent ? J'agrandirais ma boutique. J'aurais un vrai kiosque avec une grande enseigne. Je veux aussi une nouvelle boîte, de nouveaux cirages, de nouvelles brosses. Et si j'ai assez, j'investirai dans une blanchisserie pour avoir de l'eau usée gratuite. Je vois que tu as tout prévu. J'espère bien. Il ne me manque que le capital. Bon, voyons si on peut trouver un accord. Comme pas donner 500 balles à un enfant. Ça ne vaut même pas la peine d'user ma salive à vous parler. Je t'emmerde. Je pourrais te cracher dessus avec la mienne. Bon. 300, c'est bon. Là. Ça ne vaut même pas la peine d'user ma salive à vous parler. Sale petit fumier. 400, mais c'est... 400, mais si t'es pas d'accord, je te décapite. Je ne sais pas trop. Je pourrais lui mettre mon épée dans l'œil et dire alors, c'est bon ou pas ? 440. Ah, vous voyez ? Je savais qu'on s'entendrait. Je peux toujours lui dire non, Nick, vas-y, tiens. Bien, on trouve tout avec. Je crois que je peux accepter. Merci mille fois. Je ne l'oublierai point. Venons-en au fait. C'est pas comme si j'avais 23 000 balles. Je connais le type que vous cherchez. Même si j'ignore son nom. C'est un bon client. Il vient souvent faire nettoyer ses bottes. Il est gentil avec moi et me paye toujours bien. Une idée d'où je pourrais le trouver ? Non. Mais vous pouvez attendre ici. Il passera peut-être. Je n'ai pas le temps d'attendre. Tu ne sais vraiment pas où le trouver. Ou de quel côté il arrivait. Quand je nettoie les bottes, messire, je ne lève point la tête pour voir d'où viennent les gens. Vous semblez avoir des difficultés. Ah, oh, vous voilà. Vous allez mieux ? Oui, merci. L'air de la nécropole m'a été des plus bénéfiques. Si ça ne vous dérange pas, je pense savoir quelles questions lui poser. Jeune homme, vois-tu cette fiole ? Une goutte dans ton cirage te permettrait de rendre même les bottes les plus sales aussi propres que le dôme de la cathédrale Saint-Lébioda. Avec ça,
tu pourras satisfaire 3 fois plus de clients sans te fatiguer. Imagine tout l'argent en plus. Je suis disposé à te donner cette fiole si tu me dis où vit l'homme que nous cherchons. Mais vous ne lui ferez point de mal, hein? Ce type est bizarre, d'accord, mais il est gentil. En fait, c'est un ami. Nous nous sommes brouillés, mais nous aimerions arranger les choses. Je laisse ses bottes à la porte d'une maison près du port. Une porte rouge. Mais je ne sais point s'il vit là. Allons voir, c'est toujours une piste à suivre. Puis-je nettoyer vos bottes avant que vous ne partiez? Sans vouloir vous vexer, elles ont plus que besoin d'être nettoyées. Merci. Peut-être plus tard. Vous vous en êtes bien tiré avec ce petit. Avec les enfants, le tout est de trouver la bonne approche. Oui, j'ai vu ça. Ça veut dire trouver comment les soudoyer. Alors, attends 2 secondes, Régis. Voilà, parce que... la régène. Le type de jouet. Elle ne bouge pas. Il va falloir l'enfoncer. Autant vous placer au milieu de la rue avec un tambour et crier « Detlaf, je viens te chercher !» Un peu de finesse, je vous en conjure. Si vous avez une meilleure idée... Donnez-moi un instant. Pas mal. Le métier de voleur ne vous a jamais tenté ? Un talent pareil, ce serait sacrément utile. J'y ai brièvement songé, mais je me suis dit que ce serait terriblement ennuyeux. Venez. C'est vrai que ce serait chiant. Expulsion. Ah! Réduit pour les locaux utilisés dans une ville commerciale, l'année n'a pas été payée à la rigue de 100 pour libérer les lieux sous 7 jours, non respect. Bah, Victor Lamère. Ok. Oh. Un vieux jouet. Il ne servira à personne. Dommage. Il a dû faire la joie de quelqu'un. Ces marionnettes sont assez inquiétantes. Désolé, hein, je dis pas tout parce que au secours, sinon on en a pour 10 plombes. Quelqu'un l'a réparé récemment. Aucune trace de poussière. On l'a apporté ici récemment. Jolie petite babiole. Parfois, je crains de finir comme l'un de ces jouets. Ces marionnettes sont assez inquiétantes. Quelqu'un l'a réparé récemment. Les marionnettes, donc.
Allons en haut. J'avoue, le grenier. Allons-y. Voici donc son nid. Il ne reste qu'à le fouiller. Aucune trace de poussière. On l'a apporté ici récemment. Ces marionnettes sont assez inquiétantes. Detlaf van der Eretheyn, vous ne nous connaissez pas. Mais nous savons que vous êtes un vampire. Nous connaissons aussi votre faiblesse pour la gueuse Reynawed. Notez bien ceci, nous allons l'enchaîner et laisser les rats la dévorer. Nous allons l'écorcher, sauf si vous la sauvez. Il vous suffit pour cela de vous rendre à Beauclair, où vous tuerez 5 hommes suivant nos indications. Vous devez accomplir les meurtres en 3 jours. Si vous échouez, la prochaine lettre que vous recevrez contiendra un doigt de votre bien-aimé. Voilà, vous avez la preuve que Detlaf a tué contre son gré. Il agit sous la contrainte d'un maître chanteur. Qui est Reynawed ? Son ancien amour. La seule humaine dont il ait jamais été proche. Parce qu'elle l'a accepté. Avec son aide et son affection, il s'est fait une place dans ce monde hostile. Elle a entrepris le travail que je poursuis. Vous l'avez rencontrée ? Je n'ai hélas jamais eu ce plaisir. Elle l'a abandonné avant qu'il ne vienne me sauver. Cependant, il a toujours prétendu qu'elle avait disparu. Je suppose que vous avez des doutes. Je connais les humains mieux que lui. Ils peuvent être déloyaux et malhonnêtes. Je sais aussi qu'elle a emporté ses affaires, ce qui ne colle pas avec un enlèvement ou une disparition forcée. Inutile de me poser la question. J'ignore pourquoi elle est partie. Il n'est pas inenvisageable cependant que Detlaf se soit un jour emporté et qu'il lui ait montré un côté plus monstrueux. Les colères de Detlaf feraient pâlir n'importe qui et on peut rarement y échapper. Detlaf aurait du mal à lâcher prise, à accepter son départ. Est-ce si dur à croire? Ne connaissez-vous aucun humain ayant souffert d'une telle situation? De plus, Detlaf est bien plus émotif que la plupart des humains. Ce n'était pas seulement sa bien-aimée, son amour, sa compagne. Elle faisait partie de sa meute. Et on ne quitte jamais volontairement sa meute. Detlaf n'a jamais tenté de la retrouver. Si elle comptait autant pour lui, les vampires supérieurs ne manquent pas de ressources. Ça aurait été un jeu d'enfant. Comme vous l'avez remarqué, Geralt, nous sommes des vampires, pas des faiseurs de miracles. Il l'a cherché pendant des mois avant de renoncer. Manifestement, Reynawed le connaissait assez bien pour couvrir ses traces et ne lui laisser aucun moyen de la retrouver. Même si Reynawed l'a abandonnée à l'époque, elle semble bien avoir été enlevée cette fois. C'est incontestable. Mais je me demande jusqu'où il est prêt à aller pour la libérer et la récupérer. Une chose est sûre, il est prêt à tuer. Vous en feriez autant pour Yennefer. Il tue car il tient profondément à elle. Et ce sang, ces individus ne représentent rien pour lui. Ça va, j'ai compris. Il tente de sauver une femelle de sa meute. Exactement. Quelqu'un le fait chanter, donc. On en est sûr. On ignore toujours qui, par contre. Continuons à chercher. Ok, bon, alors ça fait 3 fois que je tourne ça. Parce que, comment dire, pendant le dernier dialogue, mon disque dur s'est avéré être plein. Du coup, j'ai fait le ménage, je l'ai remis. Et j'ai continué mon enregistrement. Et en fait, l'enregistrement s'est corrompu. Donc, voilà. Mais là, il était déjà 1h du matin, c'est bon, quoi. Donc, j'y retourne, quoi. Un portrait de femme, un peu taché. C'est Reynawed ? Aucune idée. Je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais vu. Ça me rappelle quelqu'un. Qui ? Je ne sais pas. Mais il me semble avoir déjà vu ce visage. Ouais, je sais pas. C'est joli cet air. Oui. Je ne
ne sais pas pourquoi, mais il me rappelle chez moi. L'endroit où nous étions avant la conjonction des sphères. On a utilisé ces outils récemment. Detlaf se détend en réparant des jouets entre deux meurtres. Gérald, vous voulez bien arrêter? Des bouts de papier avec un nom sur chaque. Comte Crespi, comte du lac, Milton de Perrac-Perran, comte de la Croix. Ils sont tous des victimes de Detlaf, mais ce n'est pas son écriture. Ça doit venir de l'auteur de la lettre. Tout a été écrit avec la même encre. Regardez la couleur. L'encre contient de la cinabarite, un minéral rare qu'on ne trouve qu'à... Nazaire. Mais cela ne nous avance guère. N'importe qui a pu importer cette encre. C'est juste, mais ça mérite d'être noté. Regardez, ce papier est taché. C'est du vin. Ça ne va pas nous mener bien loin, surtout à Beauclair. Peut-être. Gardons quand même ça présent à l'esprit. Le maître chanteur. Je me demande qui ça peut être. Pourquoi ça ? Régis. Quelqu'un a enlevé la mante d'un vampire. C'est déjà audacieux. Et maintenant, il force le vampire à tuer. Un vampire qui n'a rien d'un assassin, selon vous. Le maître chanteur est doué. Il est astucieux. Je commence à me demander si... Si ce n'est pas l'un des vôtres. Un autre vampire. Précisément. Le mystère s'épaissit. Ce n'est qu'une hypothèse. Inutile de vous emballer tant qu'on n'en sait pas plus. Vous avez raison. Résumons ce qu'on sait. Quelqu'un fait chanter Detlaf. Quelqu'un qui lui fournit le nom de ses victimes. Des noms. Tous écrits avec la même encre de Nazaire. Par la main d'un autre. C'est peu. Mais c'est suffisant pour s'assurer de l'innocence de Detlaf. Ce n'est pas ce que je dirais, et je doute que la Duchesse voit les choses ainsi. Je compte sur vous pour la convaincre. Et puis... Et puis quoi ? Ne soyez pas timide. Je vois que vous avez réfléchi à tout. Même au sourire que je dois afficher. C'est un plan audacieux. Mais si nous trouvons Renawed, nous priverons les maîtres chanteurs de tout moyen de pression sur Detlaf. C'est une idée. On peut toujours essayer. Mais que fait-on pour Detlaf ? Il va continuer à tuer pendant que je cherche sa bien-aimée ? Non. Je le convaincrai de rester tranquille. Je lui assurerai que vous êtes un ami qui tient à l'aider. Je vais l'attendre ici, il reviendra tôt ou tard. Est-ce qu'il vous écoutera ? Oui. Je ferais mieux de l'attendre avec vous. Non. Il vous sentirait de loin et ne se montrerait pas. Croyez-moi, il vaut mieux que je reste seul. Bien. Je dois d'abord faire un rapport à la Duchesse. D'accord. Nous vous attendrons ici, Detlaf et moi. Eh ben la Duchesse. Donc c'est un peu le trope de « Oh là là, on a capturé Lois Lane, Superman, t'es obligé de nous aider, quoi. » Fichez-moi la... Est-ce que vraiment on peut dire trope, gimmick, je ne sais pas. Quand j'étais le schéma. Le schéma scénaristique. Ok, donc... direction... par là-bas, quoi. Direction le Châtal. Oh, on est à côté du Châtal en fait. Allez! Allez! C'est bien, Ablette! Cette voix. Ces couilles qui touchent par terre. Mais en vrai, c'est pas vraiment lié à ça, hein, la voix grave ou aiguë. Enfin, pas comme ça. La vie à Beauclair. C'est compliqué. On y va. C'est comme ce cliché des castrats, enfin des eunuques qui ont les voix aiguës alors que bah non, ça marche qu'avec les castrats justement. Parce que c'est fait avant l'adolescence, avant la puberté. Où la voix ne mue pas.
Une fois que la voix a mué, elle a mué, hein, c'est pas... Oh, j'ai pas que ça à faire, hein. Juste c'est pour me donner 10 orins, c'est bon. C'est quand même joli comme coin, hein. On a presque envie d'y passer cette putain de... Par les poumons sifflants de Lebioda. Poumons sifflants de Lebioda, très bien. C'est quand même ultra joli comme château. Mais vas-y, lance ton cheval comme ça. Tu ou pas. Très très classe. Sorceleur. Oh, taisez-vous. Si c'était pas aussi long, faire tout le jeu au petit trot comme ça, ce serait trop bien. Bon, ça fait un peu mal à la tête. Ça bouge beaucoup, mais... Enfin, là aussi, ça bouge beaucoup, mais plus loin, donc ça va. Alors, Votre Majesté. Votre Majesté. Gérald de Rive, maître sorceleur. J'avais raison. À peine êtes-vous arrivé que les ennuis apparaissent. Écartez-vous, je dois parler à la duchesse. Enfin, sorceleur, nous nous faisions un sang d'encre. Avez-vous attrapé l'assassin de Milton ? Alors ? L'affaire est plus grave que nous le pensions. Je n'ai pas tué la bête, je n'ai pas réussi. Nous vous envoyons chasser un monstre et vous revenez les mains vides ? Nous sommes très déçus. La situation n'est pas aussi simple. La bête est un puissant vampire. Est-ce un problème ? Est-ce trop demandé à un sorceleur ? Tout le monde sait comment tuer un vampire. Il faut l'attirer au soleil par la ruse, ou s'armer d'un stock d'ail et lui planter un pieu dans le cœur. L'ail ne sert à rien contre les vampires, et le soleil et les pieux ne leur font aucun mal. Ces méthodes ne sont que pure invention, ça ne fonctionne que dans les légendes. Et le nerprin ? Quand j'étais petite, grand-mère Adémarta disait toujours que cette plante chassait les vampires. Une épée en argent est le plus efficace pour les tenir à distance. Mais ça ne les tuera pas. Seul un vampire supérieur peut tuer pour de bon un autre vampire de ce type. Des excuses. Votre Majesté, je vais organiser une battue et régler ça sur le champ. Le sorceleur n'a qu'à nous dire où trouver ce monstre. Allez-y. Conduisez-les à une mort certaine. Pour un sorceleur isolé, peut-être. Mais pour 40 de mes hommes, ce ne sera qu'une autre escarmouche. 40, 50, 100, peu importe, ça ne fera aucune différence contre lui. Vous n'avez pas vu mes gardes à l'œuvre. Peuvent-ils combattre la brume ? Frapper une cible plus rapide que le vent ? Mais... quelle créature pourrait faire ça ? Une créature comme celle-là. On les appelle les vampires supérieurs. Chacun est un peu différent. Unique ou exceptionnel en un sens. Certains se transforment en chauves-souris géantes, d'autres communiquent avec des animaux et les contrôlent. Tous restent pourtant de stupides bêtes. C'est là que vous faites erreur. Vous pensez aux vampires inférieurs, comme les alpires ou les échimes. Ceux-là sont guidés par leur instinct. Ils attaquent tout ce qui a l'odeur du sang. Les vampires supérieurs, eux, pensent, raisonnent. Des monstres qui raisonnent.
Curieuse affirmation. Que comptez-vous faire, alors ? C'est bien plus qu'un monstre. C'est un être puissant qui parcourt ce monde depuis des siècles. Impossible. Si leur pouvoir est si grand, pourquoi ne nous ont-ils pas tous tués ou asservis ? En général, ils ne se mêlent pas de nos affaires. Ils restent à l'écart, car ils se moquent éperdument de la condition humaine. N'ont-ils pas peur qu'on finisse par les exterminer ? Ça les amuserait sûrement beaucoup que vous leur posiez la question. Ils sont bien conscients de leur force. Qu'allons-nous faire, alors ? Avez-vous un plan ? C'est marrant parce que ça... Comment dire ? Ça montre vraiment le côté nombriliste de l'espèce humaine, en mode « Non, mais nous, on est quand même les plus importants. On conçoit pas que quelque chose dans le monde, même nous, en vrai, hein, on conçoit pas que quelque chose dans le monde puisse s'en battre, puisse s'en foutre de notre existence à nous. Il faut que que chaque chose nous prenne en considération, parce que on est l'espèce humaine, bordel à cul. Mais on s'en fout, en fait. Enfin, la nature s'en fout. On est une espèce comme une autre. Et c'est vrai que bon, l'espèce humaine, on a tendance à vraiment être. Quand même, on est les humains. Hein. Oui, certes. Et c'est compliqué, hein. Mais bon. Je vais essayer de lui parler. C'est le mieux à faire. Je n'en reviens pas. Sa Majesté convoque un sorceleur pour tuer un monstre, mais lui préfère lui parler. Je sais ce que je fais. Son amante a été enlevée. On le fait chanter. Chanter ? Ayez l'obligeance de nous expliquer comment on peut faire chanter un vampire. Les vampires supérieurs sont comme nous. Ils sont guidés par leurs émotions, pas par l'instinct. En plus d'être très intelligents, ils peuvent éprouver des émotions très variées, dont l'amour. Celui-ci est tombé amoureux d'une humaine, et il fera tout pour éviter qu'on lui fasse du mal. Seriez-vous en train de suggérer qu'on épargne le tueur de Milton ? Ou qu'on le laisse frapper à nouveau ? Il faut le neutraliser aussi vite que possible. C'est pourquoi mon but est désormais d'empêcher de nouvelles attaques. Ce vampire n'est qu'une partie du problème. C'est le maître chanteur qui tire les ficelles. Il a enlevé la femme pour manipuler le vampire. Et que suggérez-vous de faire ? Je vais trouver le maître chanteur et libérer l'amante du vampire. Il n'aura plus de raison de tuer. Vous deviez l'éliminer, pas l'aider. Le plus important, c'est d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Dès que la femme sera en sécurité, il n'aura plus aucune raison de tuer. Ce que vous dites me trouble, sorceleur. Vous avez peut-être raison. Savez-vous quelque chose sur le maître chanteur ? J'ai une piste. Quelques bouts de papier. Le maître chanteur a écrit les noms des victimes dessus. Sur l'un d'eux, il y a une sorte de tache de vin. C'est assez mince pour commencer. Vous vous trompez lourdement, mon cher. Allez chercher le sommelier du Cal. Plus vite que ça. À Toussaint, le vin est sacré. Ici, on ne sait point ce qu'est une tache de vin. On va parler d'une tache d'Est-Est, d'Hervélus ou de Fiorano. Vous m'avez fait mander, Votre Majesté. Sorceleur, montrez-lui le papier. Benoît, pouvez-vous déterminer quel vin a laissé cette tache ? Oui, oh oui, rive ouest de la Sans-Retour. C'est assez évident. Vieillé en fût de chêne de Beauclair. Robe pourpre, grande clarté. C'est évident, du sang réal, millésime 1269. C'est impossible. Ce vin est produit à Castel Ravello, exclusivement pour la table ducale. Aurait-on volé du sang réal ? Il faut nous rendre au vignoble pour voir s'il n'y a pas eu un incident.
Je n'ai jamais entendu parler de ce sang réal. Il est peu probable que vous ayez eu l'occasion d'en boire. Comme je disais, on ne le sert qu'à la famille Ducal. Il a pourtant bien atterri sur ce bout de papier. À moins que votre sommelier ne fasse erreur. En matière de vin, Benoît est infaillible. S'il dit qu'il s'agit de sang réal, c'est du sang réal. Rendons-nous sur le champ à Castel Ravello. Il faut découvrir ce qui s'est passé. Un instant. Votre Majesté veut m'accompagner? C'est hors de question. Croyez-vous que nous allons rester assises sur notre ducal séant alors que notre duché court un grave danger? Votre Majesté, ce que vous proposez est par trop dangereux. Le sorceleur devrait y aller seul. Vous me voyez ravi que vous tombiez enfin d'accord, messieurs, mais ma décision est prise. Nous irons en compagnie de la meilleure escorte possible. Vous, capitaine, et Geralt. Nous voyagerons incognito. Rien ne sert d'alimenter les ragots de la cour. Pour la durée de cette mission, je vous décharge de votre obligation de suivre le protocole de la cour. Je ne suis plus votre majesté, mais Anna Henrietta. Bien, votre majesté. Sorceleur, êtes-vous prêt? Il me faut plus de temps. Hâtez-vous, le temps presse. Alors oui, mais à la prochaine. Oh! Ah oui, un petit coup d'éventail, je dis pas non. Et c'est sous ce magnifique ciel étoilé que je vous dis à la prochaine, des bisous. Hydratez-vous, parce qu'il fait chaud. Ah d'ailleurs, il a une petite corne pour picoler, lui. Ah non, ça doit être pour appeler les renforts. Allez, salut!